C'est une belle union, Arlo Europe et Verisure. Alors Verisure, on ne le présente plus, hein, leader européen des alarmes. Depuis toujours, on s'est intéressé aux évolutions technologiques, hein, chez Verisure. Vous vous rappelez, on avait lancé le brouillard anti-cambriolage, on avait lancé quelque chose avec Sigfox, et on cherchait un partenariat avec une très belle marque de caméra, et c'est trouvé avec Arlo. Arlo, c'est vraiment un bijou de technologie. C'est parmi les meilleures caméras qui existent sur le marché. J'en veux pour preuve qu'elles sont reconnues en France et à l'étranger. En France, un des derniers numéros de Que Choisir a fait une étude sur les caméras et montrait qu'Arlo était en première position, numéro 1 en termes de qualité des caméras en France. Alors, c'est un des gros avantages de cette acquisition par Verisure, c'est que les caméras Arlo sont particulièrement performantes pour l'extérieur. Elles résistent à la pluie, aux intempéries, elles ont une très très bonne qualité d'image qui va pouvoir permettre d'avoir des plans très larges d'extérieur et de zoomer sur les zones qui nous intéressent. C'est d'abord un effet dissuasif, hein, pour un cambrioleur de rentrer dans un jardin et de savoir qu'il y a des caméras qui vont le tourner en permanence. C'est évidemment de la dissuasion. Il va éviter les maisons qui seront équipées. Mais c'est aussi, pour la personne qui est équipée de caméras, eh bien, un bénéfice de confort d'être capable à tout moment de son téléphone, de n'importe quel endroit, d'être capable d'aller regarder ce qui se passe dans sa maison, autour de sa maison, à travers ses caméras. En 2021, on est en train de travailler sur une jonction entre notre système de télésurveillance et les caméras, à savoir que lorsqu'une alarme se déclenche, nos agents de sécurité qui sont basés dans nos stations de télésurveillance vont pouvoir avoir accès aux images. Donc non seulement interpeller le cambrioleur, le prendre en photo, mais maintenant le suivre avec ses caméras. Et ces vidéos qui seront prises sur ces caméras seront aussi une preuve juridique qu'on pourra donner à la police et pour des poursuites légales s'il y a besoin d'en faire.